avec cet engagement, et je crois en Dieu, parce que ce Dieu-là ne déçoit pas. Et je compte aussi sur l'expérience et la bonne volonté du pasteur Pierre pour conduire cette œuvre-là et réussir. Et la famille de Dieu doit s'élargir, doit prendre du terrain, car Dieu a dit qu'il est le Dieu de largesses, et il nous donne des territoires à posséder. Donc avec l'événement de cet accord, l'événement de la conférence francophone des assemblées de Dieu ici au Canada, vous allez gagner de nouvelles nations. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé, vous, les fidèles de cette Église, les collaborateurs du pasteur Pierre, son épouse et tous. Parce que l'Église est une famille. L'Église, nous savons bien que c'est un corps. C'est le corps de Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun doit accomplir une tâche pour le bien-être de ce corps. Et je crois bien que vous êtes dedans. Et Dieu, dans sa miséricorde, vous conduira jusqu'au bon port. Que le Seigneur vous bénisse et Vos récompenses pour tous vos efforts. La Bible dit que vos œuvres soient évidentes et que les hommes qui vous entourent sachent que vous appartenez à l'Éternel des armées. Dieu soit loué. Je vous apporte les salutations de l'Église des assemblées de Dieu du Togo. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais j'ai demandé la permission et le bureau exécutif a accordé. Pasteur Kordiouvi, tu, tu peux faire ton déplacement. Et donc, et le président m'a dit partout où tu seras, transmets nos salutations aux frères, puisque la famille de Jésus-Christ ne se limite pas au Togo. Donc, veuillez recevoir les salutations de vos frères et sœurs du Togo. Le Togo est un petit pays de 56 000 km et la population avoisine aujourd'hui 8 millions d'habitants. Et, et puis, de par culture ou religion, nous sommes animistes, idolâtres, mais il y a eu d'autres religions qui ont intégré le pays. Il y a les musulmans, et nous remercions le Seigneur car depuis déjà près d'un centenaire, l'Évangile a gagné ce pays qui est le Togo, et les assemblées de Dieu sont passés par le Burkina Faso avec l'aide des missionnaires américains et ils ont foulé le sol togolais en 1936. Donc, c'était en 2011 que nous avions célébré notre 75e anniversaire. Aujourd'hui, donc, nous faisons 77 ans d'existence et l'église était restée un peu au nord du pays parce qu'il y avait des conventions entre-temps entre, -temps entre les, les églises évangéliques. Alors, si une communauté, une dénomination s'installe en un endroit et l'autre n'a plus besoin de venir. Donc cela a fait que l'Église était un peu retardée au nord, mais après les années d'indépendance en 1960, l'Église s'est installée de plein pied au sud du Togo. Et aujourd'hui, nous faisons environ 200 000 membres, les adultes comme les enfants, avec 1 600 assemblées locales, lieux de culte. Il y a toujours des églises qui sont grandes, d'autres qui sont petites. Les, les, les grandes églises au Togo, à Lomé, c'est celle que dirige le président. Par exemple, là, on peut trouver jusqu'à 3000 membres. Il y a d'autres églises, telles que celle que nous dirigeons, l'église du Temple Galilée, qui fait plus de 2000 fidèles, avec aussi d'autres assemblées. Nous avons une assemblée au cœur de la faculté de théologie, et cette église-là, Peut aller à plus de 3000 fidèles. Donc, euh, Dieu nous a fait grâce et nous sommes fiers et contents parce qu'il y a de l'ouverture dans notre pays. Nous ne sommes pas persécutés. Il faut avoir le courage de le dire et la franchise de l'avouer que nous ne sommes pas persécutés au Togo. Les musulmans sont là. Les chrétiens aussi sont là. Mais nous faisons aujourd'hui bon ménage. Et parce que l'État togolais accorde beaucoup de valeur à l'Évangile. Et parfois même à certaines fêtes nationales, les églises sont invitées de dire la prière, de conduire des cérémonies qui invoquent la paix de Dieu sur toute la nation. Il arrive même parfois que le chef de l'État participe à de telles réunions, à des prières que nous organisons, nous organisons en faveur du pays. C'est une grâce exceptionnelle. Et, et puis, et chaque année, les assemblées de Dieu organisent des conventions dans les régions ecclésiastiques. Et nous n'avons pas de, de structure pour accueillir, nous-mêmes, pour accueillir nos fidèles. Et chaque fois que nous organisons cette convention, nous nous référons à l'État, au ministère de l'Éducation nationale, afin qu'on mette à, nos à notre disposition des établissements scolaires. Et jusqu'à la dernière convention, les places nous ont été toujours accordées. Donc c'est l'épreuve qu'il y a de l'ouverture aujourd'hui au Togo. Et nous avions compris que nous devions. Que le fer doit être battu quand il est chaud donc aujourd'hui il y a de la grâce il y a de l'opportunité on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve nous ne voulons pas qu'il y ait de fermeture mais aujourd'hui comme il y a l'ouverture nous devons en profiter c'est pourquoi au niveau de notre église des assemblées de dieu nous avons formé le projet de doubler notre effectif nous avons environ 800 pasteurs à plein temps sur le terrain et l'objectif est que chaque pasteur puisse implanter une nouvelle assemblée d'ici 2020. Et nous croyons que cela, pour cela pouvait se faire si nous nous engageons dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fidélité à notre Dieu. Puisque dans notre pays, avec 200 dollars, ce qui fait banalement... 100 000 francs CFA au Togo, nous pouvons assurer ou bien soutenir un pasteur et sa famille sur un terrain vierge qui s'en va implanter une église. On peut payer son loyer, payer son déplacement et payer la nourriture afin que l'œuvre avance. Donc si j'ai un sujet de prière, c'est de vous supplier de nous accompagner dans ce sujet-là prière pour que les autres contrées qui ne sont pas encore touchées par l'évangile soient gagnées par l'évangile et que nous trouvions aussi des moyens pour installer des ouvriers dans chaque nouvelle localité pour implanter l'église car très bientôt nous croyons que la tempête va sonner et il nous faut sauver des âmes Dieu soit loué et en Afrique de l'Ouest et je, je me rappelle une parole qui a été dite, je crois c'est le pasteur Pierre à la conférence, et que l'Afrique, ou oh bien le monde francophone est le moins évangélisé. Ça, il faut l'avouer. Arriver en Afrique de l'Ouest, au Togo, il y a de l'ouverture, il y a l'évangile qui fait du progrès. Arriver en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Burkina Faso. Il y a une forte église, au Bénin, il y en a, en, au Nigeria, on peut aussi en trouver. Mais en dehors de ces pays-là, il y a d'autres milieux, d'autres pays où des ténèbres règnent. Si vous allez par exemple au Niger, les assemblées de Dieu, au total, ne font pas 5000 fidèles. Or, les assemblées de Dieu sont l'Église la plus forte dans ce milieu. Vous allez aussi au Sénégal, c'est la même chose. En Guinée-Conakry, c'est la même chose. Vous allez, par exemple, en guinée équateur ça c'est l'Afrique centrale, c'est la même chose. Donc, nous devons resserrer nos rangs et continuer à prier. Nous avions au Togo, au nom de l'Église et de l'Assemblée de Dieu, envoyé des missionnaires au Niger, au Sénégal, en Guinée. Et Conakry, et pour appuyer l'œuvre dans ces milieux. Donc, nous demandons que vous puissiez prier pour l'Afrique de l'Ouest et prier pour l'Afrique tout entière. Et nous aussi, retourner chez nous, nous nous souviendrons de vous dans nos prières, car il le faut, car la famille de Dieu est une seule famille. Que Dieu soit loué. J'ai un message à partager avec vous. Le temps est court, mais je crois que le Seigneur va nous dire quelque chose. Alléluia. Il est fidèle. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans Matthieu chapitre vingt-huit. Matthieu chapitre vingt-huit, versets dix-neuf et vingt. Matthieu 28, verset 19 et 20. Nous allons lire le passage. Ici j'ai appris que pour lire le passage, on se tient debout. C'est ce que j'ai remarqué à la conférence. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'était Matthieu 28, versets 19 et 20. Veuillez vous asseoir. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu es Dieu et tu parles. Quand tu parles, tu nous inscris. Quand tu parles, tu nous montres le chemin. Quand tu parles, tu nous édifies. Viens ce soir, Seigneur, parle à notre cœur et révèle-nous ta volonté. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais ce soir parler de la mission de l'Église. Le mot Église en français vient du grec ecclésia, communément c'est ce que nous savons, qui signifie appeler hors d'eux. Et quand nous suivons cette définition étymologique du mot ecclésia, et que nous voulions l'appliquer à notre contexte aujourd'hui à notre compréhension l'église c'est donc l'ensemble de ceux qui sont appelés du monde ceux qui sont tirés du monde on était dans une situation donnée on était dans un mode de vie donné on était dans une situation donnée mais on a entendu un cri une voix s'est fait entendre et c'est la voix du salut. Cette voix nous a appelés. Nous l'avions entendue et nous avions répondu. Nous sommes donc sortis du monde. Et aujourd'hui, nous constituons un peuple mis à part l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ est à l'œuvre. Nous qui croyons en Jésus-Christ, hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants même, noirs, blancs, africains, occidentaux ou occidentaux, nous sommes tous membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous constituons le peuple de Dieu. Nous sommes sortis du monde. Le nom que nous n'avions pas connu et que nous n'avions jamais invoqué, c'est ce nom que nous avions connu et que nous invoquons aujourd'hui. Jean a dit, certains ont vu Christ et l'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hier, Dieu, nous ne l'avions pas connu comme un Père. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il est notre Père. Alléluia. Nous pouvons l'invoquer en tout temps. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons lui présenter nos besoins. Et Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est ce que je vous accorderai. Nous n'étions pas un peuple, mais aujourd'hui nous le sommes. Nous n'étions pas enfants de Dieu, mais aujourd'hui nous le sommes. Et c'est parce que Jésus-Christ s'est offert à la croix du Calvaire. Il a payé un prix amer et nous sommes sauvés. Nous sommes son peuple. Et il ne nous a pas sauvés pour rester les bras croisés. Jésus ne nous envoie pas à l'amusement. Nous ne sommes pas comme des enfants dans un établissement scolaire, des primaires, et puis à une heure donnée, la cloche sonne, on ouvre la porte, sortez, c'est la récréation, on peut sauter, on peut danser, on peut aller ça et là, c'est pas comme ça. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour une récréation. Si nous sommes encore sur terre, si la cloche n'est pas encore sonnée, c'est que l'Église a une mission à accomplir. Cette mission, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi Jésus a dit, allez par tout le monde, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes sauvés pour un but précis. Nous sommes sauvés pour accomplir une œuvre. Nous constituons l'Église pour un but donné. Quel privilège d'ailleurs que de devenir enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le temps pour nous de rester les bras croisés. Oh Seigneur, merci. Je suis sauvé. Ceux-là sont perdus. Oh Seigneur, merci. Oh, je suis sauvé. Je n'étais pas ton enfant, mais aujourd'hui je le suis. Ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas sauvés pour nous contenter seulement de la garantie de notre mieux-être. Bien sûr, en Jésus, nous avons le mieux-être. Alléluia. Oui. En Jésus, tout est garanti. Le pain quotidien ne nous manquera pas. Si ça ne va pas en Afrique, on peut venir au Canada. Si ça ne marche pas, où là, à Ottawa, peut-être il faut aller, il faut venir ici, à Montréal, il y a de l'emploi. Peut-être les conditions sont beaucoup plus acceptables. On a une garantie de vivre aisément, puisque le pain quotidien ne nous manquera pas. Ce dont nous avons besoin pour notre existence ne nous manquera pas, puisque le Seigneur est vivant, il est là avec nous, il pourvoira nos besoins. Mais ce n'est pas la limite de notre existence. Nous devons aller plus loin que ça. C'est de nous engager dans la mission. Quand un ordre est donné, on obéit à cet ordre. Aller, c'est un ordre. Faites, c'est un ordre. Baptiser, c'est un ordre. Enseigner, c'est un ordre. Et en accomplissant cette tâche, l'Église sera donc fière d'avoir obéi à Dieu et d'avoir accompli l'œuvre missionnaire. Je déclare ce soir que chaque chrétien pouvait accomplir efficacement cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Peu importe le nombre, sous d'autres cieux, vous allez trouver de grandes églises. Le pasteur n'arrive même plus à connaître ses fidèles, c'est ça le danger d'ailleurs. Chacun vient pour soi. Ici, vous êtes petit, un petit nombre. Mais. Ce n'est pas encore une excuse. Chaque chrétien pouvait accomplir l'œuvre de Dieu s'il décide à remplir les conditions à cette fin-là. Tout d'abord, il faut savoir qu'un monde sans Jésus, c'est un monde perdu. C'est ça, sans Jésus, ils sont perdus. Chaque chrétien doit avoir cette vérité, doit posséder cette vérité. Que sans Jésus, c'est la perdition. Si nous lisons Jean chapitre 3, verset 35 et verset 36. Jean 3, verset 35 et 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le Père aime le Fils et lui a tout remis. Et celui qui croit au Fils, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la Bible déclare que la colère de Dieu demeure sur lui. Un monde sans Jésus, c'est un monde perdu. Les apôtres, nos devanciers, avaient compris cette vérité. C'est pourquoi... Ils étaient toujours animés, brûlés du feu d'aller vite et de sauver les perdus. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché le salut parce qu'il savait que ses contemporains sans Jésus étaient perdus. Tous ceux qui étaient à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pentecôte étaient perdus sans Jésus. Il a délivré un message puissant de repentance. S'il ne savait pas que sans Jésus, cela était perdu, il n'allait pas délivrer un message. C'est parce qu'il a su qu'il a délivré un message. La Bible nous dit qu'un miracle s'est produit dans la prison qui avait retenu l'apôtre Paul. Et quand ils ont chanté, prié, la puissance de Dieu est descendue dans la prison, les liens ont été brisés et ils ont été affranchis. Le geôlier qui pensait que ah, c'en était fini pour lui et il voulait se suicider, mais que lui dit l'apôtre Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Paul savait que sans Jésus, celui-là était perdu. Sa maison était perdue. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible nous dit que par beaucoup d'autres paroles, il a convaincu cet officier et qui donna sa vie à Jésus. La Bible nous dit que les moments qui ont suivi, il a été baptisé avec ceux de sa maison. Nous devons croire, les étudiants ici à Montréal doivent savoir et croire que leurs camarades étudiants sont perdus lorsqu'ils n'ont pas Jésus. Les employés, les ouvriers ici à Montréal, les habitants de Montréal, les autochtones québécois doivent comprendre que sans Jésus, leurs compatriotes sont perdus. Le jugement de Dieu est sur leur vie. Nos enfants qui ne croient pas en Jésus, nous devons savoir qu'ils sont perdus. Sans Jésus, ils sont perdus. Ils iront en enfer. Les nécessiteux dans la rue. Les richissimes. Ce qui ne manque de rien. Sans Jésus, ils sont perdus. Nous devons comprendre cette vérité qui ne se limite pas au Canada. Mais partout ailleurs dans le monde entier, quand quelqu'un ne confesse pas Jésus comme sauveur et Seigneur, son âme ira en enfer. Il ne suffit pas d'être bon pour être sauvé. Les enseignements qui sont dispensés par-ci, par-là, ne concordent pas tout le temps avec la parole de Dieu. Les gens ont une autre définition du salut. Essayez d'être bon et vous êtes sauvés. Donnez de la nourriture aux pauvres et vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas ça le message biblique. L'apôtre Pierre dira, oui, il n'y a de nom sous le ciel si ce n'est celui de Jésus. Sinon le nom de Jésus. Et c'est par ce nom seul qu'on peut être sauvé. Les droits humains qu'on publie exagérément par-ci par-là. Ce n'est pas ça qui donne le salut. Les statistiques de conversion ne doivent pas nous endormir. Il y a des victoires aujourd'hui dont on peut être fier. Ce qui se passe en Afrique, le nombre de convertis qu'on enregistre en Chine peut-être. le nombre de croyants qu'on enregistre dans les milieux persécutés. Il y a une église tranquille quelque part. Il y a un certain nombre de conversions par minute, c'est vrai. Mais comparé à tous ceux qui sont perdus, quel est le pourcentage de victoire que nous avons Quel est le pourcentage de salut que nous avons Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous endormir. L'ennemi va nous faire plonger dans un sommeil. Et pendant que nous dormons, il gagne du terrain. Nous devons comprendre cette vérité. Au Togo, si nous disons qu'il y a une forte église, que le pentecôtisme, l'église évangélique a gagné du terrain, mais par rapport au nombre qui va en perdition, quelle est notre victoire? Elle est insignifiante. Elle ne doit pas nous plonger dans le sommeil. C'est le temps de nous réveiller plus que jamais. Alléluia. C'est le temps de nous réveiller. Au Togo, notre pourcentage de chrétiens authentiques par rapport à la population, peut-être c'est deux. Le tout est insignifiant. Et ce que nous disons là, cet effectif-là, c'est ce que nous avions enregistré. Ce sont les papiers. Peut-être le nombre de conversions ou bien le nombre de visiteurs que nous comptons dans les assemblées chaque dimanche. Mais quand, quand on en vient au cœur, à une repentance sincère, c'est pour dire, bien-aimés, peuple de Dieu ici dans cette ville, que le monde est perdu sans Jésus. Et quelque chose doit être fait. Les anges ne vont pas descendre pour le faire, mais c'est nous. Les besoins sont inquiétants. Ici même au Canada, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, l'animosité qu'on nous promet aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Car malgré tout, il y a des opportunités à saisir. Les sectes pernicieuses qui battent le plein aujourd'hui, importées ou indigènes, les besoins sont inquiétants. Sachons qu'ils sont tous perdus sans Jésus. Et si nous avons Jésus et nous savons que c'est ça le plan de Dieu et nous savons que c'est ça le vrai salut, nous devons nous mettre à l'œuvre. Nous devons accomplir la mission. Est-ce qu'il y a une puissance pour le faire Oui, il y a une puissance. Alléluia. Une chose est de maîtriser la vérité que les gens sont perdus sans Jésus. Une autre chose. Et de croire que la mission est possible si l'on accorde la place au Saint-Esprit. Praise the Lord. Jésus a dit à ses disciples Retournez à Jérusalem. Moi, je m'en vais. Mais rappelez-vous que je vous ai fait une promesse. Je m'en vais, je vais au Père, je le prierai et il vous donnera un autre consolateur. C'est ce que Jésus avait promis. Le moment est arrivé. Je vais au Père, je vais le prier. Restez là à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Et puis, les disciples ont obéi. Ils sont repartis. Ils sont allés resté dans la chambre haute, là-bas à Jérusalem. Et le livre des actes nous a donné un bref rapport de ce qui se faisait. Ils priaient. De tout ce qui se faisait, la prière avait occupé une place importante. Ils ont prié. La Bible nous dit, il y avait aussi les femmes. Et on a même cité Marie parmi les participants. Ils ont prié, ils priaient. Le dixième jour, un miracle se produisit. Alléluia. Que Dieu nous donne une religion comme celle des temps apostoliques. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent. Que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Que chaque chrétien soit rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Sinon, sans cette puissance, on ne peut jamais réaliser la mission. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est par cette puissance. Que vous allez convaincre le monde de péché. Le jour de la Pentecôte, acte chapitre 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et puis, la salle a été remplie. Ils ont vu des flammes de feu posées sur la tête de chacun d'eux. Pendant qu'ils priaient, et la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas des langues apprises, étudiées. Il n'y avait pas de protocole. Il n'y avait pas de disposition particulière. Ils priaient seulement. L'esprit était descendu. Alléluia. Que Dieu visite son Église aujourd'hui et fasse de nous des témoins remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et dans nos milieux où nous avions pris conscience de la perdition des gens sans Jésus, que notre présence puisse opérer une délivrance. Que notre présence entraîne le salut de Dieu. Alléluia. C'est suite à cette expérience que Pierre, aidé des autres, prit la parole. Il a annoncé le salut. Les auditeurs touchés par l'Évangile ont dit, mais que devons-nous faire Qu'est-ce qui reste à faire Repentez-vous. Le message a été accepté. Sans la puissance du Saint-Esprit, notre message que nous partageons dans les rues, dans les écoles, ou bien partout ailleurs, sur les médias, c'est comme de l'amusement. Oui C'est comme une fable, une histoire drôle. Mais si le Saint-Esprit intervient, il convaincra le cœur de péché. Ici au Canada et partout ailleurs dans le monde, Dieu va sauver les siens. La mission, chaque chrétien peut l'accomplir. S'il sait que le monde est perdu sans Christ. Et s'il sait que c'est grâce à l'Esprit de Dieu que la tâche puisse s'exécuter. Le temps fait défaut pour que je continue pour citer les autres étapes, conditions que nous pouvions remplir et être totalement efficaces dans cette œuvre. Qui sommes-nous Vous et moi ce soir. Est-ce que nous réalisons qu'ils sont tous perdus sans Jésus? Ils sont liés par le diable qui les traîne pour l'enfer. Les Blancs ici à Montréal, les Noirs ici à Montréal, les Métis ici à Montréal, et dans les autres continents, dans les autres pays. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit Nous devons nous poser la question. Nous cherchons le mieux être, mais au-delà de cela, accomplissons la mission de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit, il ne s'achète pas au marché. Il ne se vend pas dans les magasins. On ne l'achète pas en ligne. On prie et on le reçoit. Il va donner une direction précise vers une âme à délivrer de l'enfer. Il est Seigneur, il est roi. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Purifi nos âmes, mets en nous ta flamme. Ô oh ba petits de feu. Purifi nos âmes, mets en nous ta flamme. Ô oh ba De nos âmes, -en nous, ta oh, nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme. O baptise nous de feu purifie nos âmes mais en nous ta flamme O baptise nous de feu Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Le Seigneur cherche des hommes, il cherche des femmes, le Seigneur cherche des jeunes gens pour l'envoyer dans sa mission. Pour annoncer l'évangile. Pour proclamer la vérité. Le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui même, il en a besoin. Pourquoi ne pas lui répondre Pourquoi ne pas prendre un nouvel engagement Pourquoi ne pas se consacrer Avec l'Esprit de Dieu, la peur est bannie, la peur est dissipée. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Envoie sur chacun des langues de feu. Brûle en nous les péchés, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons de nouvelles révélations. Avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous conduit dans sa volonté. Il nous montre la voie. Avec l'Esprit de Dieu, la parole qui va sauver un cœur sera donnée. Avec l'Esprit de Dieu, le faible devient fort. Purifie nos âmes. Mais en nous ta flamme, ô oh baptise-nous de feu. Ils ont prié. Si nous prions, un miracle va s'opérer. Nous sommes petits mais le Seigneur va nous utiliser nous ne sommes pas nombreux mais avec lui nous ferons la majorité et quelqu'un sera sauvé Seigneur je te loue je t'adore je te bénis pour ton œuvre tu es vivant tu es réel. Tu n'es pas loin de nous. Tu es proche de nous, Seigneur. Tu as parlé à un cœur. Car ta parole ne sort pas en vain. Tu as parlé à notre cœur. Grand Dieu. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous effaçons totalement. Viens et occupe la première place dans notre cœur. Viens Seigneur. Bénis cette église. Bénis les serviteurs que tu as placés devant cette église. Bénis les fidèles de cette église. Et faire de chacun de nous un instrument puissant dans la mission. Sois loué et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, il est Seigneur. Amen. Praise God. Merci Seigneur pour la euh, sincérité du cœur de notre...